Bonjour. Le cours de chimie des solutions que vous allez suivre va vous permettre de vous familiariser avec les propriétés physiques et chimiques des solutions. La présente capsule va permettre de voir certaines notions fondamentales qui vont être utiles tout au long de la session. Une solution est composée de solvants. Donc, si on prend par exemple l'eau de mer, qui est une solution, donc le solvant va être les molécules d'eau, et la solution va aussi être composée d'un soluté, qui sont des particules dissoutes dans le solvant. Donc, encore une fois, si on regarde l'eau de mer, un des solutés présents dans la solution, c'est les ions NaCl, donc le chlorure de sodium, qui va être le soluté. Les solutions peuvent se retrouver sous différentes formes physiques. Donc, on peut retrouver des solutions liquides, comme l'exemple à l'écran en ce moment. Les solutions peuvent aussi être solides, comme dans le cas des alliages métalliques, par exemple. Et une solution peut aussi se retrouver à l'état gazeux, par exemple l'air qu'on respire. Il existe une façon de prédire si un soluté va être soluble dans un solvant pour former une solution. La marche à suivre, c'est d'examiner les propriétés, les différentes interactions entre les particules de solvant et les particules de soluté. Donc, première étape, on veut faire une solution, on prend le solvant. Et on va séparer les particules, on va donc briser les interactions entre les particules de solvant pour faire de la place pour insérer les particules de soluté. On doit aussi briser les interactions soluté-soluté pour que les particules de soluté puissent s'insérer dans le solvant et ainsi former la solution. Au moment de la formation de la solution, il va se former de nouvelles interactions solvant-soluté. Donc, si les interactions entre le solvant et le soluté sont favorables, sont plus grandes que les interactions solvant-solvant et les interactions soluté-soluté, on va observer la formation d'une solution. Si les interactions solvant-soluté sont moins favorables, on n'observera pas de formation de solution. Si on prend un exemple du concept qu'on a vu à la diapositive précédente. Donc, on veut former une solution dont le solvant va être de l'eau et le soluté va être des molécules de méthanol, CH3OH. Donc, les molécules d'eau sont des molécules polaires et vont faire des interactions de Keesom, vont aussi faire des interactions de London et des ponts hydrogène. Pour un rappel sur les forces intermoléculaires, je vous suggère d'aller consulter les capsules vidéo reliées au cours de chimie générale. Le soluté, les molécules de méthanol, sont aussi des molécules polaires qui vont faire des interactions de Keesom, London et aussi des ponts hydrogène. Donc, lorsqu'on va briser ces interactions-là, donc pour la molécule d'eau, on va faire la même chose pour le méthanol et on va pouvoir former une solution au méthanol. Lorsque la solution va être formée, l'eau et le méthanol vont pouvoir faire des interactions de Keesom, vont pouvoir aussi faire des interactions de London et des ponts hydrogène. Les nouvelles interactions sont donc favorables. On va observer la formation d'une solution. Si on prend un deuxième exemple, on veut former une solution à l'aide de molécules d'eau comme solvant et de molécules de pentane composé uniquement de carbone et d'hydrogène comme soluté. On l'a vu à la diapo précédente, les molécules d'eau font les trois types de forces intermoléculaires, alors que le pentane est une molécule non polaire et va faire uniquement des interactions de London. Au moment de la formation de la solution, les nouvelles interactions qui vont être formées entre l'eau, une molécule polaire, et le pentane, une molécule non polaire, on va observer uniquement des interactions de London. Donc, l'eau n'a aucun intérêt à briser les interactions qu'elle faisait, les interactions solvant-solvant, pour faire uniquement des interactions de London avec le soluté. On n'observera donc pas de solution lors de ce mélange. Il existe certains facteurs qui vont influencer la solubilité. Le premier facteur, c'est la température. Pour les solides, plus la température va augmenter, plus la solubilité de ces solides-là va augmenter dans le solvant.
L'effet inverse est aussi vrai. Plus la température diminue, moins la solubilité va être grande. C'est une propriété qui est souvent utilisée pour cristalliser, pour purifier certains composés. Dans le cas des gaz, c'est le contraire. Plus la température augmente, moins la solubilité des gaz va être grande. Donc, l'exemple courant qu'on peut voir à l'écran, c'est les boissons gazeuses. Une boisson gazeuse qui est très froide va être plus pétillante étant donné qu'il y a plus de gaz de dissous à l'intérieur, alors qu'une boisson gazeuse plus chaude va être moins pétillante étant donné que le gaz s'est déjà tout échappé. Un autre facteur qui influe sur la solubilité des gaz dans un solvant, c'est la pression appliquée sur ce gaz-là. Donc, lorsqu'on a un gaz en solution, il va se créer un équilibre où une partie des molécules de gaz vont être dissoutes dans le solvant, alors qu'une autre partie va se retrouver à l'état gazeux. Lorsqu'on a une molécule à l'état gazeux qui passe en solution, on va en observer une autre qui va passer de la solution à l'état gazeux. Une modification de la pression va venir perturber cet équilibre-là et on va observer un plus grand nombre de molécules qui vont passer en solution lorsqu'on augmente la pression. Donc, une fois cette augmentation de pression-là faite, on va observer un nouvel équilibre où le nombre de particules en solution va être plus grand. Il existe une relation mathématique qui permet de relier la solubilité d'un gaz à la pression qui est appliquée, et cette relation mathématique-là se nomme la loi de Henry. Elle s'exprime ainsi: la solubilité d'un gaz dans l'eau va être égale à la constante de Henry, qui est propre à chacun des gaz, ainsi que la pression appliquée sur ce gaz-là en atmosphère. Une notion importante lorsqu'on parle de solution, c'est la concentration de soluté dans la solution. La concentration molaire volumique est une façon d'exprimer la concentration du soluté dans la solution, et c'est en fait la méthode, la façon d'exprimer la concentration la plus couramment utilisée. Donc, la concentration molaire volumique est égale à la quantité de soluté exprimée en mol par volume de solution exprimé en litres. Pour préparer une solution avec une concentration molaire volumique connue, on va souvent dissoudre le soluté dans une petite quantité de solvant en utilisant un ballon jaugé et on va rajouter du solvant jusqu'à un trait de jauge pour avoir un volume très précis de solution. Étant donné qu'on sait la quantité de soluté qu'on a pesé au départ et le volume de notre solution, on est capable de savoir très précisément la concentration molaire volumique de notre solution. Avec la notion de concentration molaire volumique, on va aussi parler de la notion de dilution. Donc, ça peut arriver qu'on a une solution dont la concentration molaire volumique est connue et qu'on veut préparer une nouvelle solution plus diluée à partir de cette solution qu'on va appeler la solution mère. Donc, la formule mathématique qu'on va utiliser, c'est la formule C1V1 égale C2V2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration de notre solution initiale fois le volume de solution qu'on va prélever. Donc, lorsqu'on a cette multiplication-là, on obtient les moles de soluté. Ça va être égal à la concentration de la nouvelle solution qu'on veut préparer fois le volume de cette solution-là. Faites à noter ici, le nombre de moles de soluté reste constant dans les deux cas. C'est uniquement le volume de la solution qui va changer. Au laboratoire, la façon de faire une dilution consiste d'abord à préparer une solution mère dont la concentration molaire volumique est connue, de prélever une petite quantité de cette solution mère-là pour préparer ce qu'on va appeler une solution fille. Donc, une fois qu'on a prélevé la petite quantité de solution mère qu'on veut utiliser, on la transfère dans un nouveau ballon jaugé et on complète avec notre solvant, souvent de l'eau distillée, pour obtenir une solution fille plus diluée. Notez que la seule chose qu'on a rajoutée ici, c'est du solvant. Donc, le nombre de moles de soluté reste toujours constant,
comme il a été exprimé dans la formule C1V1 égale C2V2. Il existe d'autres types d'unités de concentration qui vont être utilisées dépendamment de l'expérience ou du calcul mathématique qu'on veut faire. Une de ces unités de concentration, c'est la molalité. Donc, la molalité est la quantité de soluté exprimée en mol divisé ce coup-ci par la masse de solvant exprimée en kilogrammes. Une autre unité de concentration, c'est la fraction molaire. Donc, la fraction molaire, c'est le nombre de moles de soluté divisé par le nombre de moles total dans la solution. Donc, le nombre de moles total veut dire le nombre de moles de solvant plus le nombre de moles de tous les solutés présents en solution. Finalement, le dernier type d'unité de concentration qu'on va utiliser dans le cadre du cours, ce sont les pourcentages massiques et volumiques. Il y en existe trois types, les pourcentages massiques ou pourcentage M sur M, qui est exprimé par la masse de soluté en grammes divisé par la masse de la solution fois 100%. Le pourcentage volumique ou pourcentage V sur V, le volume de soluté en litres divisé par le volume de la solution aussi exprimé en litres fois 100%. Et finalement, le pourcentage massique volumique, qui est un hybride entre les deux unités de concentration précédentes, donc le pourcentage M sur V, qui est la masse de soluté en grammes divisé par le volume de solution exprimé en litres fois 100%.